Mais le leitmotiv un peu de cette soirée, c'était se dire que avec Java 6, surtout les profils, les serveurs d'appli ont changé. C'est surtout ça le message. Alors vous avez vu Arkillian, etc., etc. On a parlé de tests d'intégration, des choses comme ça, des choses qui sont assez assez neuves en fait dans le monde Java E et dans le monde des serveurs d'appli. Donc bah écoutez, il y a des committeurs Tommy, il y a des pros Resin, il y a des pros du 404. Si vous avez des questions à poser, soit par micro, soit par Twitter, j'ai pas vu les tweets, on s'accorde 5 ou 10 minutes, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Ou sur d'autres serveurs, ou sur Java E, ou sur l'œuf, la poule, l'homme, la femme, l'univers. La bière. Oui. Bon. Charles va courir dans la salle avec le micro. Ouais. Non, pas trop. Oui, bonsoir. C'est encore une question pour Monsieur Wass. Dans la présentation, vous avez parlé plein de fois d'Eclipse. WSAD, ça n'existe plus, c'est mort. C'est... Developer Tools, WebSphere Developer Tools, oui. C'est ça? Si, ça existe et ça existe toujours, et c'est toujours la version gratuite de développement. Donc il y a mes collègues de Rational qui font la version RAD, RTC, etc. Et puis il y a WAS Developer Tools qui reste une offre gratuite d'IBM qui sera intégrée avec Liberty Profile. Donc pas de changement au niveau de WAS Developer Tools. Ça répond à la question? Bon, je vois une lueur de scepticisme dans les yeux. Bonsoir. Comme l'a rappelé Antonio au départ, il y a quelques temps, on avait grosso modo les Tomcat d'un côté et les gros Weblo de l'autre. Et du coup, je pense que la plupart d'entre nous, on a pris un certain nombre d'habitudes, soit sur l'un, soit sur l'autre, notamment pour rajouter des fonctionnalités à Tomcat avec différentes librairies. Et maintenant qu'on a le web profile, j'ai l'impression, c'est peut-être mon avis personnel, hein, mais j'ai l'impression que le web profile correspond à peu près aux habitudes qu'on a tous pris. Et je me demande quelle est, à part au niveau de l'administration, quelle pourrait être la raison d'utiliser un vrai Weblo ou un vrai WebSphere, j'entends full J2E, en 2012. Alors déjà, il y a le contenu du profil web versus le profil full. Il y a pas mal de specs en plus. Tu parlais des EJB, ils ne sont pas remote en profil web. Il n'y a pas de SOAP, il n'y a pas de REST, il n'y a pas de JMS, il n'y a pas de timer service, et il y a des tas de trucs en moins. Donc la réponse numéro 1, c'est si tu as besoin de plus, tu peux prendre le full. Après, vous savez comme moi que WebSphere, s'il fait 2,2 Go sur votre disque, c'est parce qu'il ne fait pas que Java E6. Donc les serveurs d'appli ont des tas de trucs en plus qui sont hors spec, qui vendent parfois une blinde, je pense au connecteur, au DB2, etc., mainframe, etc. etc. Donc il y a ça. Après, comme tu disais, au quotidien, les développeurs, on fait des applis web, on se débrouille avec Tomcat. On continuera à se débrouiller avec Tommy, mais si on a besoin de plus, parfois il faut plus. Le plus vient souvent parfois de la partie opération aussi, il ne vient pas de la partie développeur. Quand il s'agit de déployer et de gérer des centaines, des parcs de centaines d'instances de WAS ou de WebLogic, parce que dans ce cas-là, c'est l'un ou l'autre, il y a des fonctions d'administration, des fonctions de monitoring qu'on retrouve dans ces produits commerciaux qu'on ne trouve pas nécessairement sur les autres produits qu'on a vus aujourd'hui. Et je ne parle pas spécialement pour WAS, vraiment WebLogic et WAS. Dans les fonctions non-spec, aussi bien chez Oracle que chez IBM, on retrouve aussi des fonctions proches de l'ESB avec des débuts d'architecture urgente et services, des composite applications avec du SCA et des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec Java EE, mais qui expliquent aussi la grosseur et la lourdeur de ces produits-là. Il y a une personne qui demande si les scripts OAS 7 sont compatibles avec OAS 8.5. Sébastien, quelqu'un demande si les scripts OAS 7 sont compatibles avec la 8.5. Les scripts en Python, je crois.
Alors, Liberty Profile, non, parce que j'espère avoir été clair là-dessus. Liberty Profile, c'est vraiment un subset, ce n'est pas le OWASP Full. Sinon, les scripts d'admin OWASP 7 sont compatibles avec le Full OWASP Windows 9. Oui. J'aimerais savoir en général comment faire pour avoir des instructions, des renseignements, des conseils sur le choix d'un hébergeur. Et compte tenu y compris le choix du serveur d'application. Pour ce qui me concerne, plus pour des applications assez modestes. Pas des applications rentables commercialement. Juste pour essayer. Non, c'est vrai que dans le monde Java, il y a quand même beaucoup moins d'hébergeurs qu'on peut en trouver dans le monde PHP ou dans le monde des applications directement publiques. C'est beaucoup plus compliqué. Chez nous, on a pas mal travaillé avec Metaverse, qui est un hébergeur Java spécialisé et qui est assez orienté cloud. Sinon, après, il faut demander des machines dédiées, que ce soit au niveau d'OVH ou au niveau d'Amazon ou autre, un hébergeur en public, et puis aller mettre avec cette main directement à Docker ou à Tomi ou à Observe ou autre chose. Il y a CloudBees. Si je ne m'abuse, CloudBees fait du Tomcat, mais fait du JBoss aussi, du JBoss 6 ou 7, je crois. C'est un programme JBoss. Comment vous l'appelez, s'il vous plaît ? CloudBees, C-L-O-U et Biz, B-E-2-E-S. Ah, d'accord. Il manque un D, je crois. Ok, merci. Et puis OpenShift, il y en a pas mal, quoi. Ok. Google App Engine, mais bon, Google App Engine, ils font moins de trucs, quand même. Mais dans le profil web, on trouve quelques trucs. Ouais. Ok, merci. Ben non, Google App Engine, c'est super. Hein. C'est Google qui sponsorise l'événement. Mais ça fait moins de trucs au niveau Java 6. Comment vous l'appelez, s'il vous plaît, le Google? Google App Engine. Il a une business card sur lui. G-A-E. Est-ce que vous avez une dernière question? On va devoir y aller. Il y en a deux, vite fait. Moi, je voulais savoir si Tomi est vraiment utilisé en prod ou comme OpenJB, c'est utilisé mais comment en test. Alors, OpenJB, c'est vrai qu'il a longtemps porté cette casquette test. Néanmoins, on l'utilise. On a des centaines d'instances en hébergement chez nous depuis 2005-2006. Donc OpenEJB, il est également utilisé en production. Je sais qu'il est très largement utilisé également en Allemagne, y compris sur des mobiles embarqués du fait de sa faible empreinte mémoire. Et puis Tomi, aujourd'hui, commence à être généralisé, comme je disais, sur les plateformes d'hébergement grand public. Et puis, nous, il tourne déjà chez nous depuis un petit moment aussi, quoi. Chez Atos, ouais. Y compris pour des applications bancaires, donc assez sensibles. Mais la plateforme de mémoire SIPS, ça tourne sur... Oui, une partie de SIPS tourne déjà sur Tomi, oui. D'accord. Pas tout. Ouais, je voulais vous poser une petite dernière question. En fait, là, c'est super, on a des conteneurs un peu modulaires qui démarrent super vite, etc. Mais moi, j'ai envie de faire pareil avec mes applications. Et j'ai envie aussi d'avoir des applications modulaires et démarrer aussi que certaines parties de l'application s'il y a besoin. Donc est-ce qu'il faut que je regarde tout de suite comment fait JBoss, comment font les conteneurs pour essayer un peu les copier, de me plugger dessus, ou j'attends un peu Java E7, Java E8. E8, oui, effectivement, Java E8, ouais. Moi, je pense que c'est un peu le moment aussi de regarder ce côté-là pour suivre le mouvement, mais je n'ai pas de... Je voulais savoir si vous connaissez mieux le code en interne des conteneurs, s'il faut suivre un peu ces schémas-là ou prendre d'autres schémas pour nos applications, quoi. Je dirais que moi, de ce que j'en sais, mis à part les backbones des conteneurs, donc ils sont soit OSGI, soit Tomcat pour Tomi en l'occurrence, donc ils sont modulaires, eux, par nature, parce qu'ils s'appuient sur un backbone OSGI, mais uniquement en interne. Mais
aux dernières nouvelles, en tout cas à ma connaissance, le déploiement respecte toujours l'aspect JE, c'est-à-dire avec une hiérarchie de class loader telle que l'impose un EVR ou un WAR, c'est-à-dire sans pluggabilité. Aujourd'hui, pour moi, la seule solution que je connais, ça reste Carafi, qui répond à un besoin très particulier, qu'avaient été notamment les mêmes que vous énonciez tout à l'heure, avec la modularité et la possibilité d'aller déployer ou déployer des bundles OSGI. Mais c'est la seule et unique, aujourd'hui, alternative que je connais. Ma connaissance, mais je parle sous ton contrôle, GlassFish permet de faire ça aussi, non ? On ne peut pas déployer des ogilets dans t'as oublié. Je crois que GlassFish permet de faire ça aussi, et WebSphere permet de le faire également, en tout cas WebSphere Liberty Profile. Donc on peut déployer des OGB dans, comme des modules OSGI directement, et appeler des services OGB depuis OSGI et vice-versa, donc des services OSGI depuis... Enfin, dans les deux sens, quoi. Donc, mais c'est la même réponse. Juste un petit point aussi, la modularité arrivera dans Java SE8, Jigsaw, etc., etc. Donc ça arrivera dans Java EE8, et j'ai déjà vu des trucs où les mecs qui parlent plus de JAR ni de WAR, mais ils parlent de MAR, des modules archive, mais bon, tout ça c'est en alpha. Oui, là, on a parlé de solutions aujourd'hui qui sont copropriétaires pour faire ce genre de choses. Hein. Il y en a une autre qui est déjà développée et qui devrait arriver dans une future version de Weld, donc qui sera utilisable sur JBoss et sur GlassFish, qui s'appelle Weld OSGI, et qui devrait être une solution permettant de déployer des bins CDI de manière OSGI compliant, c'est-à-dire de pouvoir les déployer à chaud et les utiliser avec les modules dialogue entre eux. Donc c'est un peu l'équivalent de ce dont on parlait pour Carafi, mais avec CDI. Mais encore une fois, on n'est pas à l'état de spécification. Je sais qu'à travers le projet Delta Spike, les gens de PodWebBeans sont intéressés par cette solution et sont en train de regarder aussi. Donc on aura peut-être deux des implémentations CDI qui supporteront quelque chose d'assez analogue autour de ça. Micro. Le mois prochain.